Uczestniczymy w trzecim przeglądzie nowego kina francuskiego, w ramach którego odbywa się pokaz filmu Minister. Zapraszamy na relacje z wydarzenia oraz na rozmowę z autorem nagradzanego już na festiwalach dzieła Pierre'em Schullerem. Przegląd jest okazją dla fanów kina do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami francuskiej kinematografii. Pokaz filmu Minister był wyjątkowy z tego powodu, że dodatkowo był polską premierą obrazu, który dostrzeżono m.in. w Cannes. Otrzymał tam prestiżową nagrodę krytyków zrzeszonych w Fipresi. Dzieło jest dość gorzką wizją francuskiej polityki, pokazanej przez pryzmat jednostki, ministra transportu. Z reżyserem porozmawialiśmy jednak nie o fabule i nagrodach, a o polityce i jej filmowej wizji. A czy ma pan poczucie, że dobrze odtworzył pan stosunki władzy, czy raczej popuścił pan trochę wodze fantazji? Il y a beaucoup de choses à la fois de mon imagination, mais il y a aussi beaucoup de choses très très concrètes, très précises, très réelles, des formules, des dialogues, des petites anecdotes qui sont absolument inspirées, enfin qui viennent même du monde politique français. Pas mal de ministres ont vu le film et s'y sont reconnus. A czy pana zdaniem tak właśnie wygląda polityka we Francji? Oui, enfin je dis pas que Saint-Jean représente tous les hommes politiques en France, mais il est un certain type d'homme politique en France, c'est-à-dire quelqu'un qui est très généreux de son énergie, qui est très convaincu de sa fonction et qui est un peu dépassé par les contraintes du pouvoir. Je pense qu'on peut faire dans chaque pays européen le portrait d'un ministre. Ça donnera des portraits très différents parce que les réalités politiques sont très différentes. Par exemple, je crois que c'était en Suède où il y a eu un ministre français qui a été accueilli à l'aéroport par une femme et qui l'a emmené dans sa voiture pour aller à un rendez-vous. Et lui était persuadé que c'était un collaborateur du ministre. Et en fait, c'était son homologue, c'est-à-dire le ministre, je ne sais plus si c'était la santé ou l'éducation, qui l'accueillait en voiture. Une chose qui est assez impossible en France. Et comment se montre un tel film dans un autre pays? N'avez-vous pas peur que dans un autre cercle culturel, ce film ne soit pas reçu ne pas comme c'était votre intention? Mais justement, non. Les films, c'est d'abord des émotions, c'est d'abord du spectacle, et après, ça, ça a été dit tout à l'heure, c'est quelque chose de. Qui est universel, qui appartient au cinéma. Voilà, donc chaque spectateur a sa propre lecture, qu'il soit français, polonais ou américain, et c'est ça qui compte. Film można odczytać negatywnie, co nie wynika wyłącznie z pokazania samych stosunków władzy. Przejmuje postać tytułowego ministra, fajnego, sympatycznego faceta, który, żeby utrzymać się na powierzchni, musi dostosować się do praw rządzących polityką. Czy tylko nie lubi pan, czy może nienawidzi pan swojego bohatera? J'aime beaucoup ce personnage parce que je le trouve formidable. Il m'a appris beaucoup de choses et je trouve que c'est quelqu'un d'estimable.